les amis, c'est Nat. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo que je voulais faire pour les fêtes et que j'ai pas eu l'occasion de faire pour les fêtes. Et en fait, comme il neige un peu partout en France et qu'on voit ces paysages enneigés un petit peu partout à la télé, et ça fait penser toujours à Noël, en fait, aux paysages un peu de Noël, du Père Noël, etc. Je me suis dit que j'allais quand même vous présenter ce jeu maintenant. On n'est pas encore fin janvier, donc il est encore temps de se souhaiter la bonne année jusqu'au 31. C'est ce qu'on dit, hein, c'est ce que la tradition dit. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas leur présenter quand même ce jeu, parce qu'il est magnifique et c'est un de mes Rider-Waite préférés en fait. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous faire cette petite vidéo, que c'était un peu fun de faire ça en fin de journée, comme ça, après ma journée de boulot. Donc voilà, j'ai décidé de vous le faire partager. Donc je vais tourner la caméra pour que vous puissiez bien voir les images. Et puis voilà, j'espère que vous allez profiter pleinement de ce moment et que ça va vous plaire surtout. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Je vous fais des bisous, je vous retrouve dans deux petites secondes. Me revoici, me revoilou, donc avec ce jeu, vous allez voir qu'il est très particulier. Donc il est livré dans une boîte très basique, avec une petite fenêtre. Voilà, mais dès que possible, j'essaierai de lui trouver un joli pochon dans le thème. Parce que c'est vrai que bon, la boîte, elle est pas extraordinaire, ni décorée, donc voilà. Alors on va commencer par le dos du jeu, donc ça va vraiment faire penser à Noël, quoi. Alors je suis pas super fan des carreaux comme ça, mais ça va bien dans le thème, vous allez le voir, ça fait vraiment Noël, quoi. Voilà, donc je pense que je vais très bien m'y faire. Donc on a une première carte, Happy Holidays, donc c'est une carte supplémentaire... de présentation, on va dire. Donc les auteurs nous remercient de supporter leur art. Et il y a un PDF, je crois, à télécharger sur le site. Je ne l'ai pas encore fait. Mais bon, c'est un rider, donc voilà. Hein. Sauf qu'il est sur le thème de Noël et des fêtes. Mais sinon, l'imagerie, vous allez voir, c'est vraiment un Rider-Waite. Donc voilà, très très sympa. J'aime beaucoup. Alors, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de titre ni de numéro sur ces cartes. Mais il existe aussi avec la bordure comme le rider et les cartes sont numérotées avec le nom. Mais moi, j'ai souhaité avoir la carte pleine page parce que je connais bien le rider et du coup, j'avais vraiment envie de profiter de ces magnifiques images. Donc, comme vous le voyez, c'est vraiment sur le thème de l'hiver et des fêtes en fait. Donc, voilà la carte du fou. Donc ben on retrouve le « ou », voilà, il est en habit un peu de fête hein, quand même, ça représente bien les couleurs de Noël. Voilà, c'est un très très joli jeu, vous allez le voir, il est magnifique. Alors j'aime particulièrement le magicien, voilà, qui est une très très belle carte je trouve, avec le chapeau, comme ça, ça fait sorcier, sorcier, sorcière, c'est vrai que le personnage est un peu androgyne aussi. Mais bah, c'est quelque chose que je trouve sympa, justement. On s'approprie le jeu un peu comme on veut. Alors, les couleurs sont spectaculaires. Elles sont magnifiques, les couleurs. Là, on a la grande prêtresse. J'adore. Hein. Perso, c'est vraiment un de mes riders préférés. Alors, après, il est saisonnier. C'est vrai qu'au mois de juillet, bon, pourquoi pas, hein, on peut très bien travailler avec les jeux qu'on aime toute l'année. Mais il est quand même bien saisonnier de par le décor, l'ambiance, etc. Donc, c'est plus un jeu qu'on va utiliser en hiver. Voilà. Donc, l'impératrice, l'empereur avec Santa Claus. J'adore. Les couleurs sont trop belles, quoi. Puis, il faut qu'il soit organisé, le Père Noël, hein, pour distribuer tous les cadeaux. Donc ça lui va bien, je trouve, Santa. On a le hiérophant. Là, on a la carte des amoureux. Donc toujours de très belles couleurs. Le chariot. Très, très fun, la carte du chariot. Avec les enfants sur la luge. Enfin, les enfants, les elfes. Sur la luge, pardon. Les petits elfes du Père Noël. Là, on a la carte de la force. Qui est très belle. L'ermite, magnifique. Une de mes cartes de l'ermite préférées. J'adore, j'adore les couleurs. Quoi. La roue, super sympa. On a les friandises, The Gingerbread House. Les petits gâteaux, les petits bonbons. La maison en pleine d'épices, pardon. Ah,
Alors là, on a une carte qui me fait sourire parce que... Est-ce qu'on a été gentil ou méchant, là? Elle est super sympa, celle-là. J'adore. J'adore. C'est la justice, pardon. C'est vrai que c'est pas forcément peut-être évident, mais bon, l'équilibre entre le bon et le mauvais... On voit quand même que ça ressemble à la carte de la justice. Le pendu, super sympa aussi. La mort. La tempérance, elle est trop belle. Elles sont belles les couleurs. Franchement, c'est vraiment un beau jeu, quoi. Le diable. Je la trouve super chouette, celle-là. Elle est rigolote, je trouve. La tour. L'étoile, très jolie. La lune, avec les cerfs, très très belle aussi. Bonne année, le soleil, sympa celle-là. Le jugement, un peu plus classique celle-ci. Et le monde avec Happy Holidays, qui est très très sympa. Alors ensuite, on a l'as de bâton. Le 2, donc toujours dans un décor avec la neige, c'est pour ça que c'est bien de circonstance, je trouve. 4 de bâton, le 5 de bâton, le 6, victorieux, hein, la couronne. Les couleurs sont très belles. En fait, au niveau des couleurs un peu peps comme ça, il me ferait penser au Morgan & Greer, qui est un de mes riders préférés aussi, quoi. Bon, c'est pas... C'est pas la même imagerie, mais ça reste quand même basé sur le Rider-Waite. Et c'est vrai qu'il a des couleurs un peu peps comme ça, je l'adore ce tarot. Le 7 de bâton, le 8, les couleurs peps comme ça, c'est trop beau. Le 9 de bâton, le berger hein, qui protège son troupeau, avec l'étoile en haut, c'est magnifique. Et le 10, bon là ça pèse, hein. Il a du mal à ramener les fagots, monsieur. Là, on a le page de bâton, le chevalier, la reine avec son petit chat noir et le roi avec sa salamandre. L'as des coupes avec du chocolat. C'est sympa, ça, hein? Fontaine de chocolat. Le 2 de coupe avec le hou, les amoureux. Oups, elle a glissé. Les amoureux sous le hou, j'adore. Le 3 de coupe, c'est la fête. Le 4, bon, il n'est pas content le lutin là. Le 5, très joli. Le 6, très très belle couleur. Vraiment. Le 7, le 8, très joli aussi celle-là avec toujours cette étoile là. Vraiment des couleurs super vibrantes. Le 9, avec le moine qui a l'air très satisfait. Il a sa petite coupe, il est content. Le 10, voilà, eux aussi, hein, ils chantent les chants de Noël, les Christmas carols. Et ils ont l'air plutôt ravis. Et puis on a le chevalier, le page de coupe, pardon, je suis perturbée. Trop beau. Le chevalier, cette fois, de coupe. La reine. J'espère que vous les voyez en entier, les cartes. Le roi. Et les pentacles. Donc là, on est dans la suite des pentacles avec un magnifique as avec des couleurs bien de Noël. Le 2 avec le petit lutin qui essaye de garder l'équilibre. Le 3 de pentacles. Et un autre 3 de pentacles, en fait. On en a deux. On a une carte supplémentaire, je crois, ou deux, je ne sais plus. Donc là, on a deux fois le 3 de pentacle. On peut choisir entre celui-ci et celui-ci. Le 4. Le 5 de pentacle. Le 6. Le 7. Super sympa avec le petit oiseau, là. Elle est jolie, celle-là. Le 8. Le 9. Alors, celle-là, elle est magnifique. Je crois que c'est une de mes cartes préférées dans le jeu avec le magicien. Ce sont deux cartes que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup.
le 10 de pentacle. Et donc le page, le chevalier, la reine avec les dindes, le roi. Et on finit avec les épées, donc l'as d'épée magnifique. Magnifique, le 2 d'épée, trop belles les couleurs encore. Je sais que je me répète, mais vraiment, c'est superbe. Le 4 d'épée, le repos bien mérité. 5 d'épée, le 6. Ah, elle a de la neige sur la tête et les épaules, là. Il est temps qu'elle aille se réchauffer, la pauvre dame. Le 7, le 8 des épées. Là, c'est pareil, elle a les pieds gelés. On voit que ça avance pas, là. Puis, il y a le vent, la neige, il fait froid. Dur, dur. Le 9 d'épée. Cauchemar. Le bonnet de nuit. Le 10. Bon, là, enseveli dans la neige, hein, donc... chaos complètement. Et puis, on a le page, le chevalier, la reine, superbe, et le roi. Voilà, bon, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Il est saisonnier, comme je vous le disais au début de la vidéo. Donc, c'est vrai que c'est particulier. Mais ça reste un jeu très, très original. Je l'avais découvert un peu avant les fêtes, celui-ci. Et du coup, je m'en suis même pas servie, en fait, pour Noël. Parce que, ben, tout un tas de choses ont fait que j'ai pas pu faire... ce que je voulais, et du coup, ben voilà, je vous le présente aujourd'hui, donc un petit peu en retard, mais j'espère que vous avez quand même apprécié ces magnifiques images. En tout cas, il est très très beau. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Ce sont des personnes qui ont créé beaucoup de tarots différents, et de temps à autre, ils sortent un tarot un peu à thème, comme ça. Donc voilà, je vous mettrai leurs coordonnées si vous êtes intéressé pour ce type de tarot. Ils en ont d'autres. Donc voilà, ça vous permettra de jeter un œil sur leurs autres créations aussi. Voilà, ravie de vous avoir retrouvé une fois de plus pour cette petite review. Je vous fais de gros 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 bisous. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Bye bye.